Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce 25e épisode de The Legend of the Skyward Sword HD sur Switch. Dans cet épisode, nous allons continuer, nous allons découvrir la nouvelle région qui est la mer de sable de l'Anel. On verra qu'elle a été un peu particulière, un peu décevante aussi parce qu'on verra pourquoi, j'en discuterai. Mais globalement, c'est une bonne région que j'aime beaucoup. On verra aussi. Du coup, on commence l'épisode tout de suite. Alors voilà, on est arrivé au port d'entrée de l'Anel. Je crois que c'est son nom, je sais plus trop quel nom à cette zone exactement. On va faire attention à ces trucs-là. On va les cibler, on peut les buter en un coup, il me semble cela. Quoique on va pas prendre de risques finalement. On va éviter de prendre des risques bêtement. Voilà. On les fait exploser comme ça. Le gros qui va paraître là-bas, on fait pareil. Explose. Les petits insectes qui sont là, on va les prendre. Deux d'affilée, c'est cool. On peut les prendre ceux-là? Voilà, je préfère. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile depuis qu'on a fait l'amélioration de notre filet à papillons. On devrait plutôt appeler filet à insectes pour le coup. Alors attention, il y en a encore un autre. En fait, c'est difficile de les buter avec notre épée parce que ils finissent toujours par nous avoir au final. Donc évitons. Rien du tout. Et rien du tout. Ah, si. Encore un petit insecte. Quoi? Allez, un effort. Mais arrête de faire ça, s'il te plaît. Voilà. Je sais pas pourquoi des fois Link sort son épée alors qu'il devrait pas. Je dois appuyer sur le mauvais bouton sans faire exprès en fait. Voilà. Du coup, c'est quoi comme insecte exactement? Ce sont des fourmis de l'Anel. On est 7. Alors du coup, ici, il n'y a rien du tout. Par contre, si je grimpe là, ici, et un peu plus haut, si possible, on voit un petit passage là-bas. On descend et du coup voilà, il y a un petit passage ici avec un cube de la déesse, quelques ennemis un peu relous qui vont pas être durs à buter. On peut facilement se faire on peut se faire choper, mais normalement on prend pas de dégâts sauf si on reste traîné. Donc voilà pour ça. Bonne chose de faite. Alors du coup, et voilà. Un cube de la déesse supplémentaire. Du coup, on a fait la totalité de cette zone. C'est parfait. On va pouvoir ressortir de là. Et du coup, que voit-on là-bas? Juste là. Déjà, on voit un bateau. On ne peut pas faire grand chose pour l'instant entre nous et on a un petit robot ici. Il n'a pas l'air en forme, forcément logique, c'est qu'on n'est pas dans le passé. Ok, donc que se passe-t-il? Bon, on a compris ce qui se passe, hein, globalement. Maintenant, on peut lui parler. Ouais, il s'appelle DL301YICO. Tu es qui, toi? Un humain? Ah bon? Ben, je vais lui faire une voix de moussaillon. Enfin, de pirate, plutôt. Alors, comment? Tu veux savoir qui je suis? Je suis ICO, le fier capitaine du navire qui protège la flamme de Nehru.
Un navire? La tempête faisait rage ce jour-là. Les matelots et moi étions en mer, comme chaque jour. Et c'est là qu'ils nous sont tombés dessus, ces maudits pirates. Ils voulaient la flamme de Nehru. Ils ont emprisonné mes matelots et m'ont jeté à la mer. J'ai fini par échouer ici. Et grâce à ce bateau, j'ai longtemps navigué à la recherche de mes matelots et de mon navire. Mais je ne les ai jamais retrouvés. Mon navire peut être rendu invisible sur commande. Ils ont dû en tirer parti. Invisible? Oui, je possède un navire destiné à protéger la flamme de Nehru et qui peut se rendre invisible. Quoi? Tu cherches la flamme de Nehru? Elle te sera utile pour retrouver un ami qui t'est cher. Dans ce cas, il faudrait que tu m'aides à retrouver mon navire et mes matelots. Et tu es d'accord pour m'aider? J'accepte que tu montes à bord de mon navire. D'accord. Vraiment très bien dans ce cas. Dis donc, matelot, ta carte est vraiment bizarre. Pour naviguer correctement en mer, il faut une carte marine. Exacte, enfin. J'en ai une chez moi, ça tombe bien. Allez, on monte à bord, cap sur ma maison, et que ça saute. Pas de problème. On largue les amarres, hein. Oui. Alors c'est parti. Et le truc qui me déçoit en fait, c'est que voilà, on a qu'une petite zone. Enfin, ça faisait un moment que j'avais pas navigué, ça commence à me revenir. Déplace le bateau avec L, si tu appuies sur B en même temps, tu iras plus vite. Prépare le canot avec ZR et tire avec ZR. Aussi, pas de problème. La marque X indique l'île où se trouve ma maison. L'île est équipée d'un ponton, on accostera là-bas. Pas de problème. Ce que je veux, c'est agrandir, voilà. Allez, en route, Moussaillon! Pas de problème. Alors, je disais, ce qui me déçoit un peu, c'est que vous voyez, c'est qu'on n'aperçoit qu'une petite zone du passé. J'aurais trouvé ça excellent, en fait, qu'on ait toute la mer, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Du coup, c'est vers là-bas qu'il faut aller. Donc on accélère avec B, par contre on voit qu'il y a une jauge d'endurance pour le bateau et que lorsque la jauge se vide, ça va pas exploser, rassurez-vous. Mais simplement d'un seul coup on peut plus aller bien vite parce que ben, c'est des machines. Les machines ben, chauffent, forcément. Et du coup pour l'instant c'est tranquille. Alors on descend. Maison du capitaine. On est arrivé. Ma maison est au sommet. La carte marine se trouve dans ma maison. Va vite la chercher. Ça grouille de monstres dans le coin. Fais bien attention. Je m'éloigne du bateau, je serai mis hors circuit, alors je t'attends ici. Pas de problème. On va faire un petit peu attention parce qu'il y aura quelques petits ennemis par-ci par-là. Donc, on pourrait faire une sauvegarde. De toute façon, j'ai fait un doute de sauvegarde comme d'habitude. Bonne chose de faite. Alors, du coup, ici, on a quelques trucs à récup. Éventuellement. Bah, rien du tout au final. Vas-y, attaque un peu pour voir. On peut lui balancer des trucs. Hein. Il mange ça dans la tronche. Encore toi. Non, pas bien compliqué en soi-même. Alors du coup, nous avons le grappin. On va pouvoir grimper. Pour vous. Ah,
Toi, tu décèdes. Toi aussi. Donc pour l'instant, ça va, c'est pas bien compliqué. Sauf que là, je viens de faire un fail. Donc forcément, je vais mourir. Forcément, hein. Link, le pauvre. Et on se retrouve où? Ah ouais. Ah ouais, je suis là, carrément. Ok, d'accord, pas de problème. Donc ici, on avait les mêmes types de bestioles dans Twilight Princess. Donc voilà pour ça. Alors du coup... Ah, alors j'ai combien de bombes? Alors, j'en ai 22. J'ai largement ce qu'il faut. Mais mange le truc, voyons. Sois pas idiot. Mange la bombe. Allez, fais un effort. C'est bon, les bombes. Alors, une petite bombe à poser ici pour débloquer un passage. Alors ici, nous avons quand même de quoi récupérer une bombe. Mais pour le coup, on va éviter. D'ailleurs, oui, on aurait pu utiliser une bombe ici si jamais on n'avait plus de bombe. Ils ont quand même pensé à tout. Et non, ça nous aurait obligé à aller farmer des bombes ailleurs, ce qui aurait été un petit peu chiant à la longue. Faut bien avouer. Alors du coup, ici, bah on va faire pareil. Bah, j'ai oublié de mettre le chrono d'ailleurs, j'y pense. Bon, alors, du coup, on en était à ça. Oui, j'ai déjà sélectionné ce qu'il faut. Enfin, c'est vrai que tous ceux qui ont joué à Twilight Princess, ils se souviennent très bien du système. On avait ça dans le temple... C'est Celestia, je sais plus le nom qu'il avait. J'aimais bien l'appeler Poulet Land, hein, c'est vraiment... C'était un donjon très spécial. C'est loin d'être mon donjon préféré, mais je trouvais assez what the fuck pour le coup. Alors du coup, quelques fourmis qu'on pourra pas prendre malheureusement. Pareil, mis par tous en fait. C'est dommage. Oh, coucou toi. Alors lui par contre ça va être différent. On pourra pas l'avoir de face directe. Il faut d'abord passer de l'autre côté. Eh ben alors, tu fais quoi? Mais c'est qu'il costaud, le grand. Il est costaud, dis donc. Il est surtout très résistant. Bon, en tout cas, voilà, c'est fait. Alors, ensuite... Hop là, attention à ça. Voilà. Mais bon, faire un charge bouclier quand même. Pour le coup, c'est un peu plus facile. Un rubis doré. Enfin, un rubis rouge plutôt. Alors d'ici, on pourrait descendre. Hein. Chose qu'on va pas faire, bien entendu. On va faire attention à ce petit oiseau qu'on peut pas du tout... Il nous remarque pas. Pas pour l'instant. Mais ça va pas durer. Là maintenant, attention. Alors le fouet si possible. Il est mort, c'est bon. Ah, il y en a un autre. Hein. Il est où l'autre? Ah, il était tout seul? Ok, d'accord. Je croyais qu'il y en avait un deuxième. Alors du coup, ici, le truc, c'est que... Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ben, en fait, il faut utiliser le fouet. Et il faut le tirer. Et là, c'est bon. On peut s'accrocher ou non? Ah oui, ben bien sûr, avec le grappin.
Enfin, je suis un peu fatigué ce soir, hein, faut pas m'en vouloir. Faut pas m'en vouloir. Alors du coup... accroche. Quelques insectes. Allez, on va en prendre quelques-uns si on peut. Voilà pour lui. Ah, les autres, ils fuient pas. C'est bon, ils partent. Le petit dernier. Voilà. Bon, l'autre, par contre, il est parti. Alors, arrivé ici. Alors là, par contre, il va falloir faire attention. Regardez. On le voit pas très bien, mais il y a une plante au-dessus. Donc, le nombre de fois que je me suis fait avoir dessus, enfin, par ça. Donc, on va utiliser le scarabée endurant. Et on va le buter comme ça. Voilà. Et maintenant, on peut. Ah ouais, c'est là-haut qu'il y en a deux, en fait. Donc là, par contre, switchons très vite. Ah, ils sont deux. Hop, non. Non, mais stop, là. Bon, là, par contre, ça craint, parce que je me fais avoir par l'autre, c'est mort. Hein. Non, 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 non. Ouais. Ah, c'est ça qui est chiant. C'est quand ils sont deux, là, c'est relou. Ah, bien évidemment, je retourne tout en bas. Hein. Bien entendu. Sinon, c'est trop facile. Oui. Ah. Il faut que je reprenne tout. Ah bah c'est bon en fait, mais là il était tout seul, donc ouais, ouais, ok, d'accord, donc j'ai pas compris pourquoi il était tout seul cette fois-ci. Le jeu a enregistré le fait que j'en avais buté un, donc ça a quand même facilité les choses. Donc du coup, soit on va vers là-bas, chose qu'on va pas faire. Ah si, on peut revenir ici si on veut. Ok, très bien, donc on va aller là-bas d'abord. C'est tout aussi bien. Alors, le grappin. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Un petit coffre. Un corps de monstre. Parfait. Alors, du coup, retour en arrière. Et là ici, ça va se gâter un petit peu parce que c'est pas si simple. On va s'accrocher dessus par contre. Alors, ils ont tendance à descendre. Et il faut un peu anticiper le mouvement en fait. Bon là ça va, par contre c'est l'autre qui risque d'être un peu chiant. Bon ça va. Là j'ai réussi. C'est pas fréquent que j'arrive du premier coup. Et on est arrivé. Alors attention, il y a un petit insecte. Là, je crois qu'il est en haut. Un petit insecte. On va éviter d'aller trop vite. Alors il est où? Ah, il est là-haut. Attendez, il est là-haut. Hop. Et voilà. Donc ça c'est fait. Il y en a encore un autre. Ah bah oui, il y en a un autre. Voilà. Donc là, on n'entend plus d'insectes. Donc c'est bon. Ah si, il y en a encore un autre. Attends, mais il y en a combien en tout? Ah mais grave en fait, il y en a trois d'affilée.
Pas mal ça. Bon, il y en a encore, il n'y en a plus. Non, c'était les derniers, c'est bon. Donc, du coup, l'entrée de la maison est juste là. Donc, c'est sa maison. La maison du pirate, enfin du moussaillon, du tout ce que tu... Enfin, pas du moussaillon, du capitaine. Alors du coup, ouais, ben ça pour le coup, c'est comme... Pour le troisième donjon, c'est un peu relou aussi, mais bon. Ça, s'il vous plaît. Alors du coup, le truc, c'est qu'il va bien falloir déblayer la zone. Déjà, on va récupérer des cœurs pour commencer. Maître, fais le rapport. Atteignons notre objectif avant de prendre une pause. Non mais attends deux secondes, je fais ce que je veux. Faye. Je fais ce que je veux. Sans blague. J'ai le droit de faire ce que je veux ou non? Incroyable ça. Alors déjà pour commencer un petit coffre. Enfin un petit grand coffre quand même. Hein. Ah bah j'ai déjà ce qu'il faut. Vous avez obtenu la carte marine ancienne. Elle représente la mer qui s'étendait autrefois à la place du désert. Regardez ici, maître. La probabilité que ce navire soit celui qui protège la femme de Nehiru est de 90%. Je suppose que le capitaine y a passé des jours heureux, entouré de son équipage. Ouais, j'en doute pas une seconde. Nous, on va quand même déblayer. On va bien déblayer la zone. C'est bien, vous voyez quand même qu'on récupère pas mal de trucs, donc faut vraiment pas hésiter à le faire. Hein. Donc on récupère ça. Quelques rubis. Est-ce qu'on peut ouvrir... ça. Normalement on peut. Oui, bien entendu, ça se fait pas. Mais on l'a fait quand même. Il y a un truc au centre, on dirait. Non, rien du tout. Bon, bah on a fait le tour, c'est bon. Alors par contre, c'est vrai que sa pièce est bien vide. Il n'y a même pas de lit, il n'y a rien du tout. Ok. Donc du coup, maintenant, c'est là. Il va falloir faire attention où aller. Parce que il me semble qu'il y a un coffre en bas. Oh, il est où déjà? Donc on va pas descendre par ici. Où est-ce qu'il est le coffre? Y a pas un truc? Bah mince alors. Il me semblait qu'il y avait un coffre sur une plateforme et qu'il fallait y aller en planant. Ou alors c'est pas ici. Un truc qui me forçait à le faire deux fois en fait. Bon c'est pas grave. On peut tomber hein, déjà pour commencer. Qu'est-ce que je fais comme merde? Ou alors le coffre on avait déjà récup. On peut tourner en rond comme ça aussi. Hein. On a suffisamment de place.
Et quand il veut, hein. Il décède. Merci, au revoir. Donc, où j'en étais? Je pense que le coffre, on l'avait déjà récup, en fait. Bon, par contre, faire attention. Voilà, toi, tu décèdes. Ah, non! Le cube de la déesse est là-bas, regardez. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment de là-haut qu'il faut... Ouais. Ça va être chiant. Ah, non. On passe par là, c'est bon. J'ai rien dit. J'ai rien dit du tout, on passe par ici. Tout va bien. On arrive ici. Et voilà, un autre cube. Est-ce que c'est d'ici qu'on accède en planant un truc? Non. Par contre, on peut planer jusqu'en bas, ça y a pas de problème. Aucun souci là-dessus. C'est vrai que j'aime bien planer, hein, regardez. On se met comme ça. Et en fait, non. Oui, parce qu'il n'y a pas de plateforme. On peut pas. Ah, c'est dommage. Donc, il faut faire le tour. Très bien. Bon, alors, du coup... À moins que ce soit là-bas qu'on puisse. Mais je crois que c'était de tout en haut, hein, de base. Non, il n'y a rien du tout. Donc, on va descendre comme ça et c'est très bien. Quand il veut bien. Hein. Accroche-toi, s'il te plaît, Link. C'est trop demandé. Voilà. Du coup, je pense qu'on a... Ah, attendez. C'est pas un coffre qu'on a déjà ouvert, là-bas? Non, je crois pas, en plus. Je crois pas, hein, j'ai un doute. Bon, on est passé en mode YOLO. J'aurais pas dû... J'aurais pas dû, donc on va aller au coffre. Parce qu'il me semble vraiment que ce coffre, on l'a pas récupéré. Ouais, on voit qu'on l'a pas récupéré. Donc du coup, pour l'atteindre, celui-là, je crois qu'il faut que j'aille tout en haut. Alors du coup, on est tout en haut et je vais bien regarder. Alors il me semble que c'est... Si c'est pas ici... Au niveau du ponton, là, et... Ah, mais le coffre... Ah oui, regardez, en dessous. On voit le coffre. Donc là, il va falloir bien viser. Donc on vise bien. Et hop, on est dessus. Il n'y a que comme ça qu'on peut le prendre. Il n'y a pas d'autre, d'autre manière de le prendre. Et un rubis doré, enfin argenté même plutôt. Et c'est parfait. Donc du coup, voilà, ça c'est fait. Et du coup, maintenant, on va pouvoir poursuivre et retourner voir notre fameux matelot. Enfin, le capitaine. Qui nous attend. Est-ce qu'on peut les stun comme ça?
Et ben alors, t'es mort, hein. Et donc, on va commencer par faire une petite save. Et donc du coup, qu'est-ce qui nous attend par la suite? Alors bien, tu as ramené la carte marine. Avec ça, on va pouvoir naviguer correctement. Allons chercher mon navire maintenant. On embarque? Oui. On largue les amarres, hein. Très bien. Jetons un œil à cette carte marine que tu as ramenée. Ah oui, c'est mieux, c'est sûr. La marque X indique la position du chantier naval. Très bien. Donc direction le chantier naval. Le chantier naval est un site de construction de bateaux. C'est là que mon navire a été fabriqué. Tu pourrais peut-être obtenir des indices sur l'endroit où se trouve mon navire, là-bas. Allez, on largue les amarres. Oui, on largue les amarres. Et du coup, c'est parti. Et comme d'habitude, on accélère avec B. Aucun problème. On a juste qu'à suivre. Alors, il y aura quelques petits ennemis qui vont se mettre en travers de notre route. Ce sera pas un gros problème, vous verrez. Et on peut lancer des bombes sans aucun problème aussi. Et là, par contre, les bombes, c'est infini. Donc, je vous laisse un peu profiter de la zone. Je la trouve quand même assez belle, mais par contre, c'est vrai que c'est dommage. On ne voit pas la totalité de la zone. Pas d'un coup. Donc comme vous pouvez le voir, on peut carrément snober les ennemis sans aucun problème. Aucun souci. C'est pas compliqué. Chantier naval. Ah. Les fameuses montagnes russes. Bien chiantes. Mais j'aime bien. On est arrivé. C'est l'île du chantier naval. Il y avait une ville ici avant. Les ouvriers qui travaillaient sur le chantier y habitaient. Le bâtiment là-bas, c'est le chantier naval. Mais la porte est fermée. Et on ne peut plus y accéder car l'entrée est bloquée. Ça, on peut le remarquer. Ah, bordel. On peut se déplacer sur cette île à l'aide d'un réseau de wagonnets. Très bien. Si tu empruntes le réseau de wagonnets, tu trouveras peut-être l'entrée arrière du chantier naval. Sûrement même. Bon, il y a une zone d'embarquement là-bas. Très bien. Commence par t'y rendre, je t'attends ici. Aucun problème. Alors du coup, on pourrait faire une petite save. Du coup, on va retrouver des ennemis qui sont un petit peu chiants, donc on peut pas aller là. Inutile. Alors, on va se faire un petit plaisir pour le coup. Allez, venez. Ah, ils peuvent être un peu chiants quand ils sont deux. Hein. Lequel avance vers moi? Ah, ils sont chiants avec ça, hein. Bon, on va se lancer dans le truc. Allez. On se met là. Allez. Allez, toi, tu meurs. Et ensuite, la caméra, s'il te plaît.
Heureusement qu'il one-shot pas, hein. Heureusement. Donc voilà pour ça. Ah. Ah bah tiens, regardez qui voilà. Hein? Ah, c'est pas le même. Alors, il s'appelle Wagoro. Autrefois, ici, c'était la zone d'embarquement des wagonnets de la mine. Mais il fonctionne toujours, faut pas croire. Hein. Si tu grimpes là-dessus, tu pourras faire le tour des îlots du coin. Il y a des instructions sur le mur qui disent comment faire. Hein. Mais attention, c'est un peu dangereux quand même, faut tout bien lire. Hein. Ah, je te fais pas lire. On va pas s'amuser à lire, ça sert à rien. Du coup, le truc, c'est en dirigeant comme ça, en fait, que ça va fonctionner. Il faut incliner les Joy-Con pour ne pas tomber. Parce que si on n'incline pas, ou si on incline dans le mauvais sens, regardez ce que ça donne. Hop, hop, hop. On peut ralentir aussi si on veut, hein. Mais j'aime bien cette phase-là, c'est cool. Hop là! On se dépêche. On est arrivé. Faut pas avoir le mal de mer, hein. Clairement pas. Mais c'est pas fini. Ça va continuer. Encore quelques libellules. On en prend une. Bon, après les autres, elles partent. Oh. On est bien accueillis, dis donc. Allez, bougez de là. Alors ici, ce serait pour redescendre. On va pas non plus redescendre, c'est inutile. On n'a pas tout fait. Ah, ici on a un petit camarade, mais là on peut pas lui parler. Il s'appelle comment d'ailleurs? Modèle DL301. Ok. On dirait que c'est toujours DL301. Donc, on va monter dessus. Et c'est parti. On peut freiner aussi si on a peur. Hein. Allez, c'est parti. Alors faut faire attention, faut pas se gourer, hein, parce que sinon, c'est un peu la mort. Eh putain, eh comment j'aimerais pas être là en réel. Hein. Clairement pas. On s'est en incliné, en inclinant bien entendu, comme toujours. Ah, il y aura un mini-jeu à faire avec ça. Hein. On verra. Bon, ça, je crois que j'ai pris le chemin le plus long, là. Oh, la vache. Oh là. Et on est arrivé, enfin. Descendre. Ah, du coup, inutile de lui parler, on pourra pas. On peut se reposer un peu si on veut. Pour récupérer les quelques cœurs qui ont été perdus. Et où est-ce qu'on arrive? On devrait arriver au chantier naval. Maître, nous sommes arrivés dans la partie centrale du chantier naval. Et c'est bien calme.
Avec le temps, les installations ont été recouvertes de sable. Je vous recommande de fouiller dans le sable pour trouver des indices sur le navire. Ça n'annonce rien de bon, à vrai dire. Hein. Ça nous rappelle bizarrement un temple. Et pas qu'un peu, hein. Bon, bah, puisqu'il faut fouiller, on va fouiller. Oh, bah, tiens, quelle surprise! Il nous avait manqué celui-là, dis donc. Qu'est-ce qui nous avait manqué, le salaud? Une par une, hein. Voilà pour le premier. Le deuxième. Non. Pas question. Bon, après, c'est toujours le même, hein. C'est pas un problème pour le coup. Il va pas être plus compliqué à battre, hein, je vous rassure. Hop là. Allez, un petit effort, mon grand. Allez, c'est reparti. Notre petit camarade est là. Allez, viens, sors de ton trou. Monsieur se cache. Très bien, pas de problème. Voilà. En fait, faut pas avoir peur. C'est dès qu'il crie, en fait, il s'arrête. Et à ce moment-là, vous pouvez attaquer. Ne vous amusez pas à reculer quand il crie. Mais c'est vrai que, avec la peur, on peut se dire, oh, il crie, attention, on recule. On sait jamais. Mais vous l'aurez jamais comme ça, sinon. Maître, il semble que cette installation a longtemps été un repère de monstres. Vos chances de trouver des indices sur le navire dans cette zone sont clairement faibles. Ah, je vous fais pas dire. Bon, bah, du coup, c'était un prank, le truc. Il s'agissait d'un prank. Je suis désolé de vous l'apprendre. Très bien. Bon, bah, du coup, puisque on n'a rien ici, retour en arrière. Le navire n'était pas ici, dommage. C'est pas très attrayant, mais il nous reste à explorer le repère des pirates qui ont volé mon navire. Allez, on embarque dès que tu es prêt, c'est parti. Allez, go! Ouh, j'ai un peu peur. Oh, voyons, t'es un capitaine et tu as peur? Le chef des pirates est un androïde très costaud qui a des hordes de sbires sous ses ordres. Je préfère éviter de le rencontrer à nouveau, mais... il le faut pour mon navire. Ce n'est pas le choix. Ok, donc ça veut dire que c'est là-bas qu'il faut aller. Très bien. Rassemble ton courage, Mossaillon. On largue les amarres. Pas de problème, l'ami. Larguons les amarres. Ne nous occupons même pas des monstres. Inutile. Et du coup, bah, c'est parfait, on est arrivé, donc la zone n'est pas très grande, hein, comme vous pouvez le voir. C'est rapide. Repère des pirates. Et comme on a pu voir, il y a un petit cube de ADS. Oh, c'est vraiment pas très engageant, dis donc.
Mais y a rien à craindre en fin de compte, ils doivent tous être morts, pas vrai? Tout le monde n'a pas la chance de se balader avec un chronolithe. Alors, pas de quoi s'inquiéter. Allez, zou! Pas à la recherche de mon navire, Moussaillon. Je t'attends ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est une petite sauvegarde. Et on va s'arrêter là. On va pas aller plus loin parce que la zone va être assez longue à passer pour le coup. Et je vois l'heure qui tourne. On va éviter de faire trop long. Donc petite save. Et voilà. Donc du coup, dans le prochain épisode, nous allons faire le repère des pirates. Et on se dirigera par la suite vers le donjon qu'on commencera à faire pour le coup. Et du coup, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner non plus si la chaîne vous plaît. Et je vous dis à la prochaine, salut à tous !